La concentration de miasmes s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château ? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin... je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Des fresques, ici? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques ? Ce personnage ressemble aux statues de tout à l'heure. C'est un Sonau. Et là, regarde, ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonau seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonau. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire, le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionnée. Je suis bien contente de l'avoir emmenée. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est? Link, l'ultime espoir de Rauru. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître? Te voilà réveillé, Link. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer. Ou tu aurais péri. C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure, et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Je suis Rauru. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Allons, revenons-en à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir, s'il n'avait pas perdu les pouvoirs qu'il possédait. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. Parfait. Tu as réussi à ouvrir la porte. L'attaque de miasme que tu as subie a affaibli ton corps. Tu es encore loin d'avoir retrouvé toutes tes forces. Mais les choses s'arrangent cependant, grâce aux lueurs bienfaisantes des 4 sanctuaires. Leur lumière a dissipé une partie des miasmes qui te rongent. Nous ne nous serons pas côtoyés très longtemps, mais j'ai pu faire ta connaissance, et je m'en réjouis. Zelda avait raison à ton sujet. Prends soin d'elle. Je te la confie. Je t'en prie, retrouve-moi! t'a cherché partout. T'es pas un fantôme au moins, hein? Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? Bon, tu vas tout me raconter. Je veux un rapport des plus détaillés. Donc, Dame Zelda et toi, vous êtes allés explorer le château d'Hyrule. Au plus profond du sous-sol, vous avez trouvé une momie. Et elle s'est réveillée sous vos yeux. Dame Zelda a disparu dans les entrailles de la Terre. Oh, c'est à ce moment-là que le château s'est mis à léviter et que tout un tas de ruines sont tombées du ciel. Toi, tu t'es retrouvé sur une île volante, et c'est le bras qui était accroché à la momie qui t'a sauvé. Après ça, une drôle de créature t'a remis la tablette Proa. Et tu as découvert que le bras appartenait à un certain Rauru. L'épée de légende a disparu. Et tu es arrivé ici guidé par la voix de Dame Zelda. J'ai bien tout compris ?